Nous sommes ici, réunis, pour honorer la mémoire... Perdri. Honorer la mémoire de notre regretté Jean-Michel. Regretté. Sinon, c'était qui ce mec-là? C'était le fils du président fondateur de notre club de chasse. Le gars, il aura attendu toute sa vie pour hériter de la fortune de son vieux. Et il claque en premier. C'est con, hein? Bah, s'il est blindé, le président, pourquoi vous lui demandez pas des thunes pour régler vos problèmes? Parce que c'est une vraie pince, le vieux. Mes frères, vous connaissez... Il a jamais lâché un centime, ni pour son fils, ni pour son club. Oui, mais sauf qu'avec le décès de Jean-Mi, le club devient officiellement l'héritier testamentaire de la fortune de l'ancien. Mais c'est génial! De Jésus-Christ! Souvent encore. Sauf qu'il est increvable, vieux. De plus, comme il est complètement gâteux, nous devenons également ses tuteurs légaux. Il ne s'agit rien. Ça veut dire qu'on est riche. Eh ben, on va aller y rendre une petite visite à l'EHPAD, à notre cher président. On va céder jusqu'à là, ces vieux salopards. Amen. Bonjour papy, on est venu vous présenter nos condoléances. Qu'est-ce qu'elles me veulent, les deux crasseuses? De l'air en forme. On a des petits soucis avec le club de chasse. On a besoin de votre aide. Papy, le club, oh, vous comprenez? Mais je parle pas aux rouquins. Les rouquins, leur pisser l'arrêt, roucmout de merde. Bonjour messieurs, Gérard Crouton, directeur de l'établissement. J'ai cru comprendre que vous étiez les nouveaux tuteurs. Normal, la petite troulure. Ça te suffit pas de lécher les chiottes, faut que t'ailles pomper la baie. Tête de nœud, picore, cave à foutre. Voilà. Avec ta sorcière à balle à chiottes. Tout à fait. Nous sommes en quelque sorte les héritiers de papy et de son patrimoine. Et comme ta mère. Du coup, avec les copains, on venait voir pour récupérer une petite avance sur notre héritage, quoi. Ah bien, écoutez, vous me voyez ravi de vous rencontrer. Ah, nous aussi. En effet. Il se trouve que notre très cher papy n'a plus payé ses traites depuis 17 ans déjà. On a bien tenté de faire une saisie sur son compte en banque, mais il était vide. Vide? Vide. Vous héritez donc surtout de l'intégralité de sa dette. Alors, après votre visite, n'oubliez pas de passer dans mon bureau. J'ai quelques papiers à vous faire signer. A tout de suite. Messieurs. Très bien. À tout de suite. Ouais, c'est ça, barre-toi, mange merde, retourne graisser des chivres. Attends. Mais quoi? Y a pas de pognon, on se casse. Mais si, le vieux, il est blindé. Tout le monde sait qu'il a planqué son magot quelque part. Faut juste trouver où c'est. Feignasse. Jean, au secours! Merde, Triton, qu'est-ce qu'on fait? Y'a le vieux qui appelle au secours! Jean, au secours! Deux minutes, je suis sûr qu'on va trouver un truc! Oui, voilà, je suis là, c'est bon! Hop! Eh ben, c'était moi une, hein! Eh ben, avec papy, quand il m'appelle, je sais pourquoi! Croyez-moi, vaut mieux être réactive, hein, parce qu'avec lui, ça traîne pas! Oh là, regardez-moi ça, il en a foutu partout, le cochon! Et pour un chasseur, on peut pas dire qu'il s'est bien visé, le papy! Non mais il s'en fout, lui, de toute façon, c'est la Jeanne qui ramasse papa, derrière! Vous savez quoi? On va s'en occuper! Merci, ah, Jeanne! Ah bah, je merci dis pas beaucoup, non, hein, j'en ai encore 15 à torcher derrière, et puis surtout, je suis toute seule... Regarde, Bébert! On dirait qu'il a un plan tatoué sur son cul! Yeah, il étouffe! On dirait lancer une garde de bousin, là! Moriture! Et ça, c'est l'église! Et là! Là, regarde! Espèce de dindon! C'est là qu'il a planqué son magot, c'est sûr! Communiste! Pignouf! C'est une carte au trésor, bébé! Oh! Mais poli! Aide-moi à le passer par la fenêtre, là! On l'embarque! Si t'as pas, je vais te faire courir, moi, rouquin! C'est de la connerie, sa carte! Je suis sûr que c'est là, ce coup-ci! Ah, mais il arrête pas de bouger aussi, celui-là! Allez, creuse, ma salope! Prochain trou, je fous le vieux dedans! T'inquiète, mon bébé. Dès qu'on a le pognon, on paye son EHPAD et on le recolle illico dans sa chambre. Oh, là, il y a quelque chose! C'est le trésor, bébé! Oh, le trésor! Marcel, champagne! On est riche, les gars! Riche! Regardez ça, les gars, regardez ça! Le lac est sauvé! Ouais! Je suis tout excité, Albert. Je suis tout excité. Regardez, il y a même un vieux costard de... Ouais, ça vient d'où, ça? Mais c'est pas un trésor, votre truc, c'est une poubelle. On aime l'année. Jeanne, au secours, Jeanne. Les gars. Jeanne, au
au secours! Je crois qu'il y a le président qui veut nous dire quelque chose. Ah.